suis Héloïse Thérouin, je suis agricultrice à Ixoux dans les Landes. Bah pour moi, les Landes, c'est toujours là que j'ai vécu. Moi, j'ai toujours été dans les champs avec mon père. En sortant du lycée, j'ai fait une école d'ingénieur agricole à Toulouse. Puis après, mon père étant assez proche de la retraite, je voulais quand même venir travailler en même temps que lui sur l'exploitation. Et puis bon, moi ça m'a toujours plu de faire ça, d'aller dans les champs, de savoir qu'on produit quelque chose pour nourrir les gens, c'est important pour moi. Après c'est quand même un métier intéressant, il y a tout le temps des progrès techniques à faire. Nous on travaille beaucoup sur l'irrigation ici pour apporter vraiment uniquement ce qu'il y a besoin. Après on fait des essais, par exemple cette année on a fait des essais de strip-till dans le maïs, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment uniquement la ligne de semis, donc on ne va pas labourer et tout ça, donc ça évite l'érosion parce qu'ici on a beaucoup de vent de sable. Et on essaye du désherbage mécanique pour utiliser moins de désherbants chimiques. Voilà, donc ça, on fait tout ça en collaboration avec Bonduel et les techniciens. Étant une jeune qui vient d'arriver, c'est quand même un bon accompagnement. Au début, ça permet de pouvoir se référer auprès d'eux. Ils nous aident, ils nous conseillent. On les voit quand même assez souvent, ils viennent assez souvent voir les cultures. Donc ça permet de bien échanger avec eux. Moi, en tant que jeune, quand j'ai des doutes, c'est quand même sympa d'avoir quelqu'un qui sait nous dire si ce qu'on va faire, c'est bien ou pas, quoi. Ça nous conforte dans nos décisions. Nous, on essaye de revenir dans des choses plus raisonnables pour essayer justement de préserver le terroir et de conserver nos sols et le climat, l'environnement. Mais c'est sûr que les industriels comme Bonduel ont cette volonté-là aussi.